بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إبن كنا إيمان إن الأفغياء بؤلا حق تقاته إن فغي الأفغياء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أبامو إكسبتين لتال سوميسيون. إخوتي وأخواتي الكرام، اليوم نتكلم عن المرأة الصالحة. Aujourd'hui, nous vous causons, Inch'Allah, concernant sa question-là, qui veut dire un bon madame? Qui veut dire un bon madame? C'est une question très importante pour nous poser. Et bien sûr, si monsieur demande sa question-là, à tout le monde qui est là ici, dans ma zid, et tout le monde madame qui peut écouter, peut-être que tu peux sortir avec environ 15 ans, 2000 réponses quand nous pouvons sortir dans ma zid, nous pouvons aller. Parce que ça a une opinion qui veut dire un bon madame. À cause de ça, il est important pour nous faire sa jeune fille qui peut penser, li bon, est-ce qu'il y en a qui te manque dans toi? Surtout si tu peux faire une niette pour le faire, pour le marier, pour venir de madame, pour une dimoune. Ou bien ça c'est un garçon qui peut le marier là, l'informe-lui qui veut dire un bon madame. Parce que tu sois une famille, vous allez comme ça, redonner une bonne fille pour te marier. Mais qui veut dire une bonne fille? Il y en a beaucoup quand fini marié, il y en a qui les regrettent, ils disent, ah, si moi tu connais, mon pas tu 10 ce hijab. Si moi tu connais, mon pas tu 10 ça quelque chose là. Moi tu les autres quelque chose. Mon pas tu connais, je parle comme ça. Beaucoup de réponses, regrets, nous gagner après. Mais qui veut dire une bonne madame? Comme ça même, sa question-là, les concerne, ben, monsieur, qui en bas de responsabilité, et une madame, je t'ai une responsabilité iman, je t'ai une responsabilité digne, sa madame-là. Je t'ai bien connu, si pas sa madame-là, vraiment, elle est bon, est-ce qu'il m'a peut faire, m'a peut tenir, mon responsabilité, ou bien non? Comme ça même, sa question-là, les concerne, un papa qui n'a en Bali, ben, petite fille. Et bien sûr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il promet une jolie récompense pour un papa qui natifie en bas de ma maman, un papa qui natifie sous cette responsabilité. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, celui qui natifie et bantifie, et il grandit bien, il donne zot din. Récompense qui sa papa, maman va pas là pour gagner, c'est Al-Jannah. Donc, est-ce qu'il peut faire motifi, il y a une bonne tifi? Mais qui veut dire une bonne tifi? Donc, il concerne nous tous, un frère, un sœur. Il concerne un monsieur, il concerne une jeune fille, il concerne une madame qui ne finit mariée. Est-ce qu'il vraiment, madame là, il peut dire, moi, une bonne madame pour mon monsieur? Mais qui quelque chose qui peut faire toi dire ça? Qui quelque chose qui peut faire toi dire qu'il est une bonne madame? Et bien sûr, mon frère, si moi tu demandes sa question-là à toute la masse là, moi tu ne gagnes pas de réponse. À cause de ça, moi n'a pas les demandes sa question-là à personne parmi moi et ou bien aux autres, moi je les demande sa question-là avec Allah, avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, min al-kitab wa sunnah, nous pourrons de la réponse à travers le Coran et le sunnah. Nous laisse Allah subhanahu wa ta'ala avec ce messager sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, même je dire, qui veut dire une bonne madame? Qui veut dire elle mar'a tous saliha? Qui a une caractéristique elle bon madame Ena? Manfred Banser, premier caractéristique elle bon madame. Hiya allati aslamat nafsaha li rabbil ula. Li celui qui fin soumet son nafs à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, il fait.
ce que Allah subhanahu wa ta'ala défend pour faire, il reste loin que ça, man, quelque chose. Peine à choix, les peines à son hawa, peine à son nafs qui vient en jeu, non. Les soumettre les complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il pas trouve aucun comment dire, irrégularité. Il pas trouve qui ça, il apprend dans sa dîne là. L'autre côté, il a résisté. Non, il a accepté tout ce qu'ils ont rabdjali. Pareil, comment c'est arrivé dans l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un joli exemple, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un camarade, c'est un sahabi qui s'appelle Julaybib. Julaybib, radiallahu anhu, c'est un sahabi qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'y content beaucoup. Et Julaybib, c'est un vilain, c'est un laideur dans son visage, c'est vilain. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas si gêté ça, il s'y gêté, il s'y gêté, il s'y comprend, il s'y gêté. Une fois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à Julaybib, et tu parles d'un sifi pour te marier. Julaybib dit, ya Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as marié avec moi? Qu'est-ce que tu as fait? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne vais pas gagner de raca, je vais faire une demande pour toi. Je vais faire une demande pour toi. Et nous avons un papa, et papa là, comme ça, je vais envoyer une demande pour toi. Pour ton sifi. Papa est content. Il dit, où je vais envoyer une demande pour mon sifi? Ça correct, nous acceptons tout de suite. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, non, je vais faire un lit pour moi. Je vais faire un lit pour Julaybib. Papa a dit, ah, d'accord, ah, pour Julaybib, ça. Mais laisse-moi rentrer la case, je discute ça, je fais une machouera avec mon madame, et écoute, nous avons un écoute. Allahu Akbar. Quand papa a son réaction, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il allait pour Julaybib, ça. Ensuite, tu as l'air de faire son réaction, là. Quand papa avec maman son réaction, là. Hein? Papa dit, non, nous avons un écoute la case. Papa rentre la case, il dit à son madame, comme ça, oh, madame, le prophète peut envoyer une demande pour ton tifi. Il dit, bien sûr, nous sommes contents. Il dit, non, pas pour lui même, pour Julaybib. Maman dit, ah, Julaybib. J'ai dit, laisse-le. Tifi, de l'autre côté, il entendait. Il est sorti tout de suite, il vient, il dit comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une demande pour moi. Et j'ai osé refuser. N'importe qui s'en a été, ça, il choisit, il trouve ça bon pour moi. Et j'ai refuser, non, je vais accepter sa demande-là. Allahu Akbar. Ça y est, le Coran rend bien que Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ » Il n'y a pas dans un caractère d'un mu'min ou bien d'un mu'mina, un dit qu'il y a un iman, mais c'est madame qui quand Allah ou bien son Rasoul décide une chose qui se tient le choix depuis cette même. Allahu Akbar. La ilaha illallah, get satisfait là, mon frère. Ça qui appelle un bon madame. Comment l'intérieur sur le prophète peut dire ça? Khalas. Comment l'intérieur sur le rap peut dire couvert sur la tête? Khalas. Il accepte tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, sur le Rasoul, sur le Zam, fin de Aslamat nafsaha li Rabbil Ula. L'insoumet lui-même à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première caractéristique qui nous a rodé. Si un zen, puis elle rode un tifi pour marier, tu peux dire rode un bon tifi, mais tu vois la première chose qui te faisait roder dans ce tifi là. Est-ce qu'il y a accepté son rap? Est-ce qu'il a accepté, tout le commandement qui sera payé de lui? Quand on va le fréquenter, si nous ne pouvons pas mettre le mot en braquette, pas cause de cause inutile, n'importe. Cause de cause qui peut vous connaître si patifi là, l'identifi qui vraiment lui finit soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pose une question, est-ce qu'il te fait salat 5 fois par jour? Ou bien tu prends 6 livres parfois? Ou bien tu prends local? Tu prends vacation? En vacation, si tu prends des mois. La ilaha illallah. Papa, God, où t'y pose-moi une question comme ça pour connaître si pas t'y là, il se mette à Allah subhanahu wa ta'ala. Très important, mon frère, mon sœur. L'autre caractéristique, un bon madame. Allah subhanahu wa ta'ala, dit dans surah 4, ayat 34, il dit Fassalihatu, ban bon madame, qanitatun, hafidatun, lil ghaibi, bima hafidallah. Allah subhanahu wa ta'ala, ban bon madame, c'est man qanitat. Qui veut dire qanitat? Dans le livre, sa signification là. Hua al-mudawamati ala ta'ati lillahi azza wa jal. Celui qui reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, il reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah su'ibada. Ça, c'est la première caractéristique qui mentionne sa verset là. Il reste tout le temps dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas comme on dit Ramadan, il vini, là où trouve tout le si, si kanam, pierre, hein, sindour, tout une teint, tout une close, mashallah. Pays n'a aucun poudja dans la case, non, il y a tout une teint là. Comme Ramadan fini, alors il en resterait tout un mois là net.
Les révisionne tout, les répond, les recommandent pour savants enseignements qu'il fait l'ingardeur aux télévisions là, les pousse savants enseignements là. El mudawamatu ala ta'a, celui qui fait des efforts tout le temps, lo ibadatillah. Il peut faire des efforts pour accomplir ses cinq fois salat. El mudawama, lit tout le temps l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lit pas comme on va dire enzou pratiquante, après le zou non, lit pas comme ça. Avant mariage, ou cause ali ou trouver comme on va dire mashallah, lit peut causer un petit peu din, un petit peu causer, après khalas, fini, complètement pénanoï là-dedans. Là, Allah, elle mouda wa matou ala ta'a. Et même une autre caractéristique qui est mentionnée dans sa verset là, hafidat lil ghaib. Celui qui préserve somicier dans l'absence somicier. Allah subhanahu wa ta'ala, il précise là, dans l'absence lil ghaib. Mais si une madame pour préserve somicier dans l'absence, mais dans la présence, qui a été li pour faire li encore, li préserve haq somicier. Man droit qui somicier dans l'eau, il préserve sa haq là. Li préserve l'argent somicier. Li préserve lili somicier. Les préserve un secret somicier, les préserve un défaut de somicier. Allahu Akbar. Ça, c'est qu'appelle un bon madame. Les dans l'absence somicier, il pas pour saisir l'occasion pour le chat avec quelqu'un sur internet, pour le cause avec un autre homme étranger, une question qui est haram. Non, ça, il vous restreint avec somicier. Dans présence ou bien dans l'absence somicier, il préserve sa droit là. Comme ça même, il préserve un secret qu'il a en zot. Les papes qu'on va dire, les vous téléphone sur maman grand matin tantôt, maman, monsieur il dit telles affaires, monsieur il fait telles affaires aujourd'hui, maman grand conseiller conjugal, pour donner un joli conseil, et là comment il vient faire pour détruire ce ménage là. Là, une madame lui préserve un secret, et lui préserve un défaut, lui pas qu'en personne, dans les autres dimons, un défaut sur monsieur. Excepté si ça un défaut là, il est dangereux pour sa madame là sur Iman, il est dangereux pour sa madame là sur les enfants. Et par exemple, là, nous avons un cas, quand un monsieur vient rentrer dans une secte qui appelle Coranion, man dimon qui peut dire recet hadith, man kafir ça, man kafir. Nous prenons position là, nous disons en braquette ça, man kafir, hum kafaru billah. Je ne fais kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala quand je ne prends sa position, quand je rentre dans sa kitchen qui appelle Coranion, recet hadith. Ça, man dimon là, je ne namaz zanaza, bizarre pas faire. Si nous ne connaissons un dimon dans nos familles, vient rentrer dans sa secte là, ce namaz zanaza pas faire. Ce man enfant, bizarre pas hérite de lui, et ni lui pour hérite quelque chose avec son maman, son papa. Un kafir ça, Coranion. Si une madame connaît ce monsieur, elle vient comme ça. Et monsieur là peut donner l'autre, quand on entend dire que monsieur là peut donner madame là l'autre pour garder rosa, même lui dans son haïd. Allahu Akbar. God rosa même dans ton haïd. Madame là besoin de désobéir elle là. Et madame là besoin de redonner quelqu'un pour qu'elle fasse da'wa avec sa monsieur là. Pour qu'elle invite sa monsieur là pour retourner et la savoir, pour retourner vers ce qui est correct. Mais si monsieur là pas écouté, madame là besoin quitte sa monsieur là complètement. Besoin d'un talak, besoin quitter ça, quitte ça, parce qu'il est fini, il est kafir. Allahu Akbar. Mais madame, une madame qui n'a pas de petit défaut dans lui, parce que tout insan, ça, lui préserve sa bande défaut là, lui préserve sa bande secret qui est en jeu là. Lui pas garde ça. Souvent, des fois, nous entendons pas femme, madame, les jeunes jeunes, surtout madame, quand jeunes, elle se peut causer, qui causer ou quoi se peut causer, cette cause causer cette monsieur. Et madame, madame donne coup de main. Elle a dit, moi, mon monsieur, elle paraisse ça. Le temps de moi, pour moi, numéro 1, hein, pour toi, numéro 2, pour moi, numéro 1. Si elle défaut de te misser ensemble comme ça, Allahu Akbar. Hamala yajouz. C'est pas mon caractère, mon bon madame ça. Un bon madame, d'ailleurs, ribat personne, même n'est pas pour faire. Mais ça n'a plus de somicier encore, il n'est pas pour cause qu'on s'en a somicier. Il est pour préserver mon secret qu'il a somicier, malgré qu'elle trouve un timoun pour faire ça. Et sa désignification dans sa ayat Qur'an, il joint dans un hadith, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith qui trouve dans le Musnad Imam Ahmed, lesia. إذا صلت تنسى حديثة أن حديث extraordinaire أن حديث extraordinaire. Souvent les femmes l'entendent dire la plupart ben habitent en fer pour ben madame. Mais tant ça حديثة comment il est facile pour ben madame gagner jannah. Rasoul صلى الله عليه وسلم donne une caractéristique en bon madame. Il dit إذا صلت المرأة خمسة كأن madame lui fait ses cinq fois namaz. وصامت شهرها اللي قاد صروزه. وحفظت فرجها اللي préserve son nafs, اللي préserve son parti privé. وأطاعت زوجها اللي obéit à son monsieur. Quatre petites choses, il fait là, juste quatre petites choses. Il fait namaz cinq fois par jour, il garde le mois ramadan, il préserve son nafs. Ensuite, il obéit à son monsieur. قيل لها بودي لي جو قيامة ادخل الجنة من أي أبواب شئت رند الجنة بنيابود كلا بود paradis تقوله الله أكبر لا إله إلا الله بنيابود كي paradis بنيابود كلا بود إن أويت لا بود إن أدي مون كي تفاجئ نو بابا بابو كريه با أنا أكن لا بود إن أدي مون زوج نو بكريه ده إنسان لا بود يابيتش يفعل بكو صلات بكريه سنو كت كت لا بود ده صلات بلي رانت لبا Mais sa madame là, qui a été l'honneur pour lui ça, malgré qu'il n'y ait pas de faire, pas de cause dans la wafil, dit tout dans sa halifa, il y a une cause, il y a une pharase. Et il obéit à son monsieur, il dit comme ça, qui la porte ton envie, il y a 8 la porte, il y a 8 la porte immense, il y a devant toi là, il y a qui la porte ton envie, rentre, te rentre. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
ومن صفات المرأة الصالحة. Et parmi les bons caractères, une madame encore, une bonne madame. C'est une madame qui prend beaucoup de précautions avec ce l'ennemi déclaré qu'appelle Shaitan. Eh oui, mon frère. Quand ma tête tantôt, il pêche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre ce l'ennemi qu'appelle Shaitan. Parce qu'il connaît très bien ce hadith. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, Iblis, il met ce trône là au délo, il réunit ce 20 disciples et il pose maintenant la question, il dit maintenant comme ça, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Quand on a dit comme ça, nous faisons un tel péché, il dit, ma sana'a ta shay, tu m'en fais non. Hein? Mon fali commet zina, mon fali prend riba, mon fali fait tel qui tu. Ma sana'a ta shay, tu m'en fais non. Elle a dit comme ça, ana farraqtu bayna al mar'i wa zawji, moi, je ne sais pas, une mission madame. Il dit, ah, ni'ma anta, toi, tu fais mon travail. Venez, qu'est-ce que tu écoutes moi. Et là, on a dit comme ça, qu'Iblis, l'imaï, il fait la collade avec sa djinn qui ne résiste pas à une mission madame là. Une madame, une bonne madame, lui comprend profondément de paroles ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grand matin, tantôt, vous trouvez les péchés de protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui-même, pour les péchés de protection, pour son monsieur, pour son enfant surtout. Les pour lui, il y a un dua qui est rassou, ça donne financé. Grand matin, pour lui, Bismillah, il a dit, il adore ma asmihi, shayun fil ardi, wala fil sama, wa huwa sami'u l'alim. Celui qui l'a trois fois le matin, trois fois après Maghrib, il gagne protection contre Shaitan 24 heures. Allahu akbar. Il y a une dualité. Vous connaissez combien de mamans par contre une dualité? Combien maman par contre doit aliser? Il est content habillé ti fila, habillé ti garçon là, cocasse. Quand il dit quoi, il prend un bal de mariage, il dit pour promener, il dit Machallah, cocasse, ça, il ressemble à toi beaucoup. Pince sur la joue, sur la. Il est content de faire quelque chose comme ça. Mais il doit aliser, on lit, il doit aliser le lit. Ça même, tu vas pas les rendre ta casse, commence à faire mauvais, commence à agiter, par autre dormir à soi. Maman passe ta nuit blanche. Doit aliser, on connaît? Non, pas connaît. Doua avant qu'elle ou à l'approche, au missé, on connaît? Non, pas connaît. Puis le mariage est allé là. Subhanallah. La ilaha illallah. Mais où parler Shaitan rendre la vie, une madame qui n'a sa qualité, une bonne madame, elle tout le temps, elle vous prend précaution contre sa bonne quelque chose. Avant, quand il rentre sur la case, il peut faire Bismillah. Avant manger, il peut faire Bismillah. Quand il sort, Bismillah, et tawakkal tu ala Allah. Il est avec sa bonne dua là, grand matin tantôt. Ana el layli wa nahar, grand matin tantôt, il est avec sa bonne dua là. Nous continuons à réfléchir au hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sunan al-Nasa'i. Manabi mani, ayyun nisa'i khayr, qui plie bon madame? Qu'est-ce qui répond Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en donné? Allati tasurruhu idha nadar. Celui qui quand tu guetli te content. Allahu akbar. Celui qui quand tu guetli te content. Tu gagnes plaisir quand tu guetli. Wa tuti'uhu idha amar. Et celui qui obéit quand tu donnes un load. Voilà tu khalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Et ça madame là, il part pour opposer ce monsieur. Donc, il y a qui se misait pas content concernant ce l'écho ou bien ce l'argent. Mais si madame là, monsieur là pas envie que madame là habille telle façon, monsieur là pas envie que madame là mette telle linge, mette telle quitte chose, bien cause avec. Dans ce l'écho, monsieur là pas fait content une quitte chose, ou bien dans l'argent, madame là, il a richesse, c'est là sur l'argent pour lui, il peut envie de faire dépenses, il peut envie de s'acheter par là, monsieur là pas fait content ça, ça bon madame là, jamais il peut opposer ce monsieur dans une quitte chose qui se misait pas content. Dans une quitte chose qui se misait pas content. Allahu Akbar. Eh, mon frère. Madame Nali vous prend en compte aussi ben l'autre qui s'est mis là pour donner. Et quelle qualité, quelle sa qualité quand tu trouves lui, tu es content. Quand un monsieur trouve sur madame, le prophète peut donner une caractéristique extraordinaire. Il y a une bonne madame, quand tu trouves lui, tu es content, tu es satisfait, tu gagnes plaisir quand tu trouves lui. À tel point l'islam il met l'importance une madame sur l'habillement dans sur la case, une madame comment elle vous a fait elle belle, comment elle vous a fait elle jolie dans sur la case, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, idha qadima ahadukum laylan fala ya'tiyan ahlahu turuqan. Il dit qu'un peut rentrer depuis voyage, il fait un long voyage, il peut rentrer, il est absent, il peut rentrer, il dit comme ça, n'a pas surprendre ton madame, n'a pas comment dire, quand elle écoute la case, ouvre la porte, fait une surprise à ton madame, pas faire ça. Qui fait hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne raison comme ça, hatta tasta'id al maghriba wa tamtashit ash-sha'ifa. Jusqu'à ce qu'une madame lui gagne l'occasion de préparer lui-même, lui gagne l'occasion de peindre ses cheveux, lui gagne l'occasion de dresser pour son missier. Allahu Akbar. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans son appartement pour Aïcha, dans Aïcha radiallahu anha, sur l'appartement, il met un rideau. Qui fait de mettre ce rideau là? Comme ça, quand le prophète peut retourner depuis un voyage, il gagne l'occasion, informe Aïcha qu'il est retourné, il n'a pas trouvé Aïcha dans une position qui Aïcha n'a pas si souhaité pour trouver. Il veut dire, il donne l'occasion à Aïcha radiallahu anha pour préparer lui-même, pour peindre ses cheveux, pour faire lui belle, pour faire lui jolie,
pour ce monsieur. À tel point l'islam met de l'importance, une madame fait les belles pour ce monsieur. Ça, c'est une bonne madame. Une madame qui fait les belles pour ce monsieur, qui fait les jolies pour ce monsieur. Malheureusement, aujourd'hui, mon frère, il y a une situation, ça. Catastrophe. Quand est-ce qu'une madame pour faire les jolies? Quand on m'a dit elle pour pousser tout, là, au moins, une vite, comme on dit, comme on dit en créole, une habille plus jolie qu'il y a. Quand tout un regard pour virer pour Getli, quand il fait ça, quand il sort, il parle mariage. Quand il sort, il parle promener. Quand il sort, il parle par là. Là, il faut faire les plus jolis. Mais c'est là qui restait pour lui. Caftan le dé à côté de Mili. Un vieux caftan le dé à côté de Mili, ça, mais c'est pour toi. Les restes de haut, bijoux, l'habillement, zina, décoration, ça pour les autres, mais c'est ça. Pas pour toi, ça. El mar'atu saliha. Une bonne madame n'a pas fait une chose comme ça. Un bon madame lui fait les contraires. Pas les contraires. Pas dire qu'il est bien habillé, joli, que son caftan fait côté milieu pour lui sortir dans la case. Non. Nous pouvons dire que quand il est dans la case, il est bien fait plus joli encore pour ce monsieur. Il est attirant pour ce monsieur. Après, quand il est là pour rouler dans le taux, ça monsieur qui sont madame mettre caftan côté milieu dans la case. Quand il est là pour rouler dans le taux avec lui, les monsieur là sur les épées promener partout. Il pince, lui. Hein? Le monsieur là qui a un bon pincé. Mais qui fait monsieur là sur les épées promener partout alors qu'il est marié avec toi? Mais parce que toi, tu n'es pas attirant pour lui. Tu n'es pas fait des efforts pour attirer lui vers toi. Tu ne prends lui, comment dire, des profits que ça. Moi, je finis, moi, il y a un machin. Il y a un problème qui peut reconquérir sur les quais encore. Non. Un bon madame, tous les jours, il peut conquérir sur les quais. Pareil que moi, nous pouvons trouver dans un hadith qui peut venir là. Qu'est-ce que ce hadith qui peut venir là? Qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit à concernant madame? Un sens, madame, là-haut. Il dit Khayrounisa et comme. Meilleur parmi cette madame. El Wadoud. El Wadoud. Qu'est-ce que ce caractère qui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire concernant un bon madame. El Wadoud. Qui veut dire Wadoud, mon frère? Wadoud veut dire une personne aimante. Une personne qui a beaucoup l'amour dans lui. Et non seulement il a beaucoup l'amour dans lui, mais il montre ce l'amour. Il exprime ce l'amour. Par sa bonne parole, par sa bonne action, ou bien par sa façon d'agir, ou bien par sa façon qu'il habille, il met d'une façon. Il exprime tout le temps, il peut montrer ce l'amour vis-à-vis ce monsieur. Tout le temps, il peut montrer ce monsieur qui quand il est content. Quand monsieur là peut rentrer ta case, il peut dire une parole qui monsieur là pour gagner un soulagement. Il peut faire monsieur là connaît mon compte en toi. Il a voulu un petit SMS, il a voulu une petite chose qui un cadeau. Il montre monsieur là qui t'a encore compté pour moi. Il montre monsieur là qui mon compte en toi. Ça c'est El Wadoud, une madame qui montre qui exprime ce l'amour vis-à-vis ce monsieur. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Beaucoup fois on trouve une madame commence un mariage comme ça, après allez. Hein? Ou trouve une petite chose diminuée. Mais c'est là, vine, comment dire, alors moi dans la case. Hein? Alors moi, tu fais qu'entrer, tu fais admirer tout ce man architecture, tout ça là. Après, alors moi, si c'est ouvert, fermé, mettre l'ins là-dedans. Mais c'est là, si vine, pareil, comment dire, une mep dans la case. Il rentre dans sa déco là, comment dire. Mais c'est là, rentrer, il n'est pas là. Sur l'absence, sur présence, pareil. Allahu Akbar. Ça, c'est une bonne madame qui fait comme ça. Une bonne madame, tous les jours, comment dire, je peux bien reconquérir les 15 autres missions. El Wadoud. Deuxième qu'il dit, El Walud. El Walud veut dire une madame qui gagne beaucoup d'enfants. Mais on n'a pas pu dire ça cause là, à cause ministre peut dire bizarre gagne des enfants, c'est-à-dire. Hein? L'année 90, pour l'économie, il met family planning pour qu'il dise on arrête de gagner des enfants. Une hypocrisie extraordinaire, ça. Comment dire, gagner des enfants là, il a juste un rapport avec l'économie. Quand l'économie n'est pas bon, il a gagné des enfants. Quand l'économie est bon, gagner des enfants. Allahu Akbar. Quelle est l'imbécilité, ça, Mandimoulaka? Après, des bassins, Mandimoulaka a tombé. Des gens gagnent des enfants à cause de l'économie n'est pas bon. Écoute, toute l'insanité, écoute, toute l'humanité était. Pourquoi je ne suis plus tendu qu'ils ont causé ça, Mandimoulaka? Allahu Akbar. Le prophète dit El Walud, celui qui est une madame qui a beaucoup d'enfants. Eh ouais. Parce qu'il fait. El Walud, bien sûr, si une madame n'est pas payée des enfants parce qu'elle est malade dans son écho, etc., ça n'est pas un problème. Mais si une madame empêche lui-même gagner des enfants, il est capable de gagner, mais il empêche de gagner, madame l'a payé dans le décoté. Premier, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, Anna, moi, je suis fier de man dimoun qui grandit au Majou Qiyama. Je suis fier. Mais ça, madame là, n'est pas pour faire partie de man dimoun, madame qui, malgré lui, est capable de gagner des enfants, mais il arrête la même. Pour peu importe qui raison, et ça qui est plus triste là-dedans. Ça, madame qui a un enfant, là, parfois, il fait un bouffon avec une madame quand il a 5-6 enfants. Il dit à madame, là, 5 tu es là, 6 tu es là, hein? Et tu passes les temps, tu sèmes, tu fais, tu travailles. Allahu Akbar.
Moi, j'ai une chose extraordinaire. Moi, j'ai les plus civilisés là, les plus européens là, un les plus européens qui est là. Hein? Qui est européen? Tout gain. Rasoul Salazam pour fier de sa madame qui a 5-6 enfants jour qu'il là. Rasoul Salazam pour fier de sa manzimoun là. Ça lui perd dans sa côté là, madame qui paie dans ses enfants là, pour sans aucune raison. Deuxième façon lui perd, Rasoul Salazam dit comme ça que manzimoun mort y aller, tout ça va en action arrêtée. Tu te connais ce hadith ça, va. Excepté trois petites choses. Excepté parmi ces trois petites choses là, waladun. Et le prophète dit waladun salih, un bon garçon. Il dit celle-là. Et ça dit, maintenant, la litrousse d'Araja peut monter dans Qiyama là-bas, dans Akhirat là-bas. L'idée avec Allah, mais comment mon d'Araja peut monter alors qu'il m'a une action infinie? Maintenant, il dit comme ça, tu es un gosso, tu es un qui peut demander du'a pour toi. Mais ça, un ça. Imaginez si tu es un 3, 4, 5, 6, 7 peut demander du'a pour lui, quand on va t'être en tout. Comment ça dit, maintenant, ce d'Araja peut être dans Akhirat? Pas pour faire l'économie, mais c'est qui besoin faire les enfants pour nous récolter là-bas. Hein? C'est investissement, pas dans la terre ça, investissement dans Akhirat ça. Madame Péadan aujourd'hui, je ne les ai pas embobinés par ma culture européenne, à travers ma film, à travers ma série culte. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié les enfants aujourd'hui. Et pourtant, la machine lavée, il y a toutes les affaires électroniques aujourd'hui. Pourtant, hein. Madame, tu faisais la lève, le rose, mais c'est un 7-8 enfants. Aujourd'hui, pas qu'on est qui n'arrivait. Rasoul Salam dit comme ça, El Mouatia. Il continue dans sa halita, il dit comme ça, une madame qui n'est pas dure, relive, il n'est pas une dureté dans lui. Il garde sa féminité. Il garde sa petite chose qui fait vivre madame. Il n'est pas dur. Il n'est pas, comment dire, reprend le dessus le somicier. Il n'est pas fait à kabour le somicier. Il écoute le somicier. Ou le mu'asiya. Mu'asiya veut dire celui qui aide le somicier, celui qui supporte le somicier, celui qui côte à côte avec le somicier. Quand le somicier est triste, il est triste. Quand le somicier est joyeux, il est content pareil. Il est ensemble, il vient un support pour le somicier. Et là, je vais vous donner un exemple. On ne peut pas trouver plus joli l'exemple que ça dans Tariq al-Insan, dans l'histoire de l'humanité, Van Frank Manser. Un sahabiya, ce monsieur de haut travail, ce monsieur s'appelle Abu Talha. Et il y a un petit garçon qui est malade, et ce petit garçon-là, dans l'absence de ce monsieur, ce garçon-là mort, ce garçon-là wafat. Ce garçon-là mort. Et l'herbe monsieur-là rentré, si dans nous l'époque, aujourd'hui, qui te fait monsieur-là, tu peux finir avec une colle dans le travail même. Hein, si monsieur là, s'il doit un sentier, c'est pas qu'il était là, il attendait ce garçon de Molika, ça peut le sentier tomber, fini, mou, ici, mou, ensemble. Mais ça, madame là, il attend que monsieur là rentre la case. Monsieur là, il dit comme ça, qui mon garçon peut faire? Il dit, j'aime penser, il y a un rahat à cette terre, il peut reposer. Pas facile ça, hein, pour mettre un rostre sans l'équerre là, une maman, surtout quand il y a des enfants, quand une maman perd des enfants, il dit, c'est terrible ça. Et sa maman là, peut dire à monsieur là, comme ça là, il peut reposer là. Il tient ce manger, il donne. À soir, il fait les jolis. Il approche avec ce monsieur. Il approche ce monsieur à soir. Lendemain matin, quand ce monsieur est levé, il dit à ce monsieur comme ça, qui te pensait, Allah donne-toi un cadeau pour jouer à quelque temps, ensuite Allah ne reprend un cadeau là avec toi. Monsieur dit comme ça, ben Allah lui donné, il laisse moi jouer, alhamdoulilah. Après, il répond, mais ça qu'il y fait, il est bon. Et là, madame, elle dit comme ça, ben comme ça même, Allah donne-toi un garçon, il laisse toi jouer à lui. Ensuite, il répond avec toi. Mais c'est là qu'il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Allahu Akbar. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Madame Lafine comprend l'état, mais c'est là. L'impère qui se misait dans l'état fatigue qui était, la liste de travail, il est fini, la liste annoncée, ton garçon, ton bétain fini, mais c'est là capable de dire quelque chose qui pouvait Allah, qui pas pouvait Allah plaisir et salir là. L'infère, mais c'est là, il calme. Ensuite, il annonce sa nouvelle là. Pas comment certaines madame, comment Missela fait son travail pour venir là, fatigué, comment il était là, comment Missela pose ce sac là, à la radio commencer l'autre côté là-bas, à la lit commencer, ah, ton maman vieille, sorry, il ne revient encore, ton maman là, diamant, telle qu'il chose, la même glibou qui commence tout avec sa Missela là, la ilaha illallah, ça pas une madame qui supporte ce monsieur ça, ça pas une madame qui n'a sa caractéristique de mu'asiya, de celui qui peut s'agrandir ce monsieur, de celui qui peut supporter ce monsieur dans toutes les difficultés. Et comme ça, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça. « Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah » Est-ce qu'il n'a pas informé de ma madame dans jannah? Il veut dire ma madame qui tellement une fait bien de la terre qu'il se fait une mérite jannah. Il dit « Kullu wadoudun waloud » Il dit « Tout man wadoud » Il finit avec « waloud » Il dit « waloud » encore. Il finit avec « waloud » Et quelle est sa dernière caractéristique qu'il est mentionné? Il dit « Iza ghadubat aw usiya ilayha aghadubat zawjuha »
Et dire quand il est en colère, quand madame là est en colère, ou bien son monsieur finit mal avec lui, ou bien son monsieur finit en colère avec lui, qui madame l'a fait? Il est en colère, madame là est en colère là. Et monsieur là finit mal avec lui, ou bien monsieur là finit en colère avec lui. Madame là qui fait? Il dit à monsieur là comme ça, hadihi yadi wa yaduka wa fi yadika. Il dit ça molame, madame là pour dire monsieur là comme ça, le prophète sur parole ça, il dit molame dans tout l'amé. Mon n'a pas pour dormir, mon pas pour faire un dernier. Aussi longtemps qu'il ne t'a pas satisfait avec moi. Allahu Akbar. Pas comme certaines madame, quand Michel a fini en colère avec lui, qu'il y fait? Tu es en colère, me montre-toi mon colère plus que toi. Tu boudes avec moi une semaine, me boudes avec toi un mois. La ilaha illallah. Ça pas dit ça. Ça pas bon, madame, ça. Comment il trouve colère avec ça, Michel là, il fait des efforts pour retourner avec lui, pour consoler lui, pour résoudre ben quelque chose là. Et pas pour tourner les doigts avec ce Michel. Ça c'est ben mar'atu salihah. Ça c'est ben bon, madame. Et un dernier hadith, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, une femme Mu'adh bin Jabal c'est avec lui, Mu'adh bin Jabal j'ai dit comme ça, Ya Rasoul Allah, qui fait pas de nous l'autre pour faire sijda pour toi? Il dit, ben chrétien, je fais sijda pour toi, ben prêtre, ben juif fait sijda pour toi, ben rabbin, mais qui fait pas de nous l'autre pour faire sijda pour toi? Pas respect ça, pas sijda ibadah ça, pas sijda pour faire ibadah, sijda respect. Par exemple, un ange qui fait devant Adam alayhi salam, c'est sijda respect, pas ibadah ça. Rasoul sallam dit comme ça, لو كنت امرا احدا ان يسجد لي احد سمتنا pour donner l'ordre à quelqu'un pour faire sijda devant un autre. Elle pas ni pas donner ça l'ordre. Si c'est simotena pour donner ça l'ordre, moi pour donner l'ordre à madame pour faire sijda devant ce monsieur. Qui faire? Parce qu'il tellement haq sa monsieur là tellement grand le sa madame là. Il dit moi pour donner l'ordre à madame pour faire sijda pour respect envers sa monsieur là. Pour adab qui qu'une madame qui vient montrer envers ce monsieur, sa qualité là, moi tu vous donne l'ordre à une madame pour faire sijda devant ce monsieur. Montrer comment une madame lui vient respecter ce monsieur. Lui cause bien, lui pas cause faux ou plus fort que ce monsieur. Lui abaisse devant ce monsieur. C'est sa qualité là qui nous vient attendre avec ban bon madame, ban mar'atu saliha. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فريق بن سين وفي دعاء بك الله سبحانه وتعالى كي الله في أنه بن مدام بن بن بو مدام إيسي أنا كيت مدام بجيكم سا أزودي إمام إن كرازة تيت مدام إن كو جيس لو مدام تيبزا كو لو ميسيسي ألو سنو فيا مدام كي بيفي لانتنسون بجي سا بارول لا نا با كوز كم سا Parce qu'il nous finit cause l'homicide l'année passée, 150 minutes le YouTube nous cause l'homicide. Nous avons juste 30 minutes pour madame. Fair enough. Hein? Il ne faudrait pas se dire comme ça. Pas guetter si pas nous ne tiens à madame ou bien nous ne tiens à l'homme. C'est parce que nous ne pouvons pas tiens à l'homme personne. Nous ne pouvons pas venir là pour tiens à l'homme. Nous venons là pour enseigner pour qu'il nous enlève sa main de défaut là-dedans. Comme ça, même, madame, quand je t'écoute, je ne causerai concernant votre caractère. Pas dire que tu viens cause madame. Si. Non. Guetter ça qui vous peut recevoir en tant que l'enseignement. Comme ça, même, madame, il y a besoin de guetter qui peut recevoir avec de l'enseignement, ça qui nous enseigne aujourd'hui. Pas dire que nous, pas une telle personne. Nous enseigner, nous propager, nous espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça. Allahumma aslih nisa'ana. Ou Allah fait nous, madame, bin ban bon madame. Allahumma aslih nisa'ana. Allahumma aslih nisa'ana. Ou Allah retourne nous, madame, vers hijab. Allahumma ruddahunna ila al hijab. Allahumma ruddahunna ila al-hijab. Wallah retourne banna vers hijab. Wallah retourne banna vers pudeur. Wallah retourne banna vers pudeur. Rabbana ja'alna min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.